tous. Salut, salut. Bonjour, bonsoir. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va, ça va. Je vais t'augmenter un peu ton volume, on sait jamais. Oui. Alors, donc, on y va. Alors, aujourd'hui, alors ça va être un peu spécial parce qu'on avait dit la dernière fois qu'on allait s'attaquer à ce qui était plus item et monstre pour ma partie. D'accord? Donc, je compte bien le C'est faire pas le aussi. cas. Si, si. Ça va être le cas, ça va être le cas, ça va être le cas. Justement, j'allais dire, je compte bien le faire aujourd'hui. Donc, ça tombe bien. Du coup, là, on va bien voir vite fait. J'ai pas trop encore décidé si je vais faire des monstres ou des items. Mais c'est plutôt clair dans ma tête comment je vais procéder à leur création, chacun. Et Pour les monstres, du coup, ou les deux? J'ai pas je compris. sais pas encore, on va voir. Là, le premier truc que je fais, ça va être ça. Puis voilà. Quant à toi, Bon qu'est-ce que tu vas faire? feeling. Moi déjà, je vais faire en sorte que qu'on commit ce qu'on a fait la dernière fois. D'accord. Donc que ce soit source controlled. Mmh. Parce que j'ai oublié de le faire. D'accord. Voilà. Et après ça, normalement, on est censé s'attaquer aux inputs. Un gros sujet encore un coup. D'accord. Tac, tac, tac. Est-ce que je vais pas t'augmenter encore un peu plus en vrai? Hop là, voilà. D'accord. Du coup, eh bien, écoute, pourquoi pas parler un peu des monstres, vite fait, en fait. Salut, XRIP. D'ailleurs, merci d'avoir follow la chaîne. Merci pour le follow, ouais. Il y a J'ai 4 vu jours. ça entre deux streams. Ouais. Le stream se passait d'une semaine. Ça va? Comment ça va, XRIP? Gros cœur sur vous, merci. C'est fort aimable. Gros cœur sur toi aussi. Oui, hein, on va essayer d'être sympa. C'est pendant ce stream. Du coup, Extreme, je sais pas si du coup tu sais ce qu'on fait sur cette chaîne. Donc, si tu veux vite fait un petit récap, on peut le faire avant qu'on attaque réellement. Comme tu le souhaites. Alors, pif. Du cul. Template d'équilibrage, voilà, ça va être bien. Hop. On m'a fait un débrief, merci, merci. Ok, stylé. Très bien. Alors, du coup, bah, t'arrives à un truc un peu. On va changer un peu de ce qu'on fait là dans le Craft and Game, en tout cas sur ma partie à moi. Moi, je vais m'attaquer en fait au final aux monstres. Et je vais vite fait expliquer comment je vais procéder en fait pour les équilibrer. Enfin, un tentage. On va tenter, on va dire, d'équilibrer un peu les monstres avant que ce soit la catastrophe et qu'on se rende compte par exemple qu'ils sont soit trop puissants, soit trop faibles pour les héros. D'accord? Donc pour le jeu qu'on fait, ce qui nous intéresse. Donc comme ça va être pas mal. Comme ça, on va pouvoir enfin avoir peut-être l'occasion de faire une autre proto-maquette. Hein? Histoire de voir où ça nous mène en ce moment avec ce qu'on a décidé comme petite modification depuis le début. Alors, pif paf paf. Du coup, Hulor, je m'excuse, mais je vais passer sur moi en fait. Ça te dérange Vas-y, pas. de toute façon, c'est pas très intéressant ce que je fais de mon côté. Alors, on va reprendre vite fait le truc. Là, on est sur le template d'équilibrage. Ok. Là, on va reprendre l'exemple qu'on avait fait là avant pour tout ce qui était les héros. En gros, leur PV, comment on a décidé de leur PV, leur point d'attaque et tout ça. Là, aujourd'hui, on va plutôt voir pour les monstres. D'accord. Donc, les monstres, ça va être un peu plus. Comment dire? Tac. Donc, ça, c'est encore le brouillon, mais comme ça, du coup, je le montre à l'écran comment je vais procéder. En fait, on a déjà décidé par ça là. Les stats de base ou les caps à ne pas essayer de trop franchir ou vraiment se mettre une limite pour tout ce qui était point de vie et point d'attaque des héros, en règle générale, en flat, sans item à ajouter ou quoi que ce soit. Maintenant, on va essayer de voir à peu près comment on fait pour les monstres. Alors, pour les monstres, en fait, dans ce jeu-là, il y aura, on va dire, trois catégories de petits monstres, en fait. D'accord? Donc, il y aura les petits. Donc eux par contre il n'y a pas de limite, hein. Ils peuvent aller jusqu'à 4 en face dégâts
enfin de tes héros que tu as dans le donjon, vu que tu as 4 héros, du coup tu peux avoir 4 petits monstres devant toi. Après, tu as les mini-boss. Alors, une fois qu'ils sont invoqués, normalement, il y a plus de, y a plus d'autres monstres qui s'ajoutent. Donc, ça peut aller jusqu'à, en vrai, 3. Généralement, c'est comme ça que ça se passe, tu vois. Donc, il peut avoir 3 monstres en comptant le mini-boss. Hein, parce que, en gros, le mini-boss aura une capacité, on va dire, alors, supérieure ou égale, en fait, à un héros lambda, en termes de stats. Et après, on a évidemment les boss des donjons. Donc, qui sont limités qu'à un seul, vu que c'est le boss final du donjon qu'il faut foutre sur la gueule pour gagner la partie, en gros. Du coup, alors, Xrip, toi qui es nouveau, juste pour être sûr qu'on t'ait bien fait le bon récap, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est en train d'essayer de faire un espèce de jeu de plateau, comme jeu vidéo. Du coup, c'est pour ça que. On parle un peu de donjon et tout ça. Ce sera pas une espèce de dungeon scroller ou quoi que ce soit. En fait, ce sera plus un jeu de plateau, tout simplement. Donc, c'est pour ça. Donc, les petits, en fait, il y a un équilibrage à se faire. Déjà, on va reprendre vite fait là les PV et les attaques des héros en temps normal. Hein. On va le mettre tac au-dessus, comme ça, on l'oublie pas. Alors, ouf, comme ça. Hop là. Donc, les petits, il faut toujours partir du principe qu'au niveau de leur PV, ils doivent être tous égaux au plus petit PV des héros. D'accord? Donc, c'est-à-dire 17 dans notre cas. Leur attaque doit être, on va dire. Là, pas 8 comme le plus petit de tous les héros, parce que sinon en fait ça va être trop puissant, parce que il suffit juste qu'il y en ait 2 en fait qui ont 8 d'attaque, et en gros t'as le plus petit des héros, il est déjà dans la merde quoi, il a déjà plus qu'un PV, du coup c'est pas drôle. Car aussi en fait avec les monstres on peut déjà voir en fait le niveau de difficulté qu'on veut pour le jeu, ça c'est très important aussi. Alors, il n'y a pas une... On fait pas non plus une difficulté monstrueuse. En termes de combat, parce que le but n'est pas de faire une espèce de Dark Souls ou de faire un roguelike ou quoi que ce soit. Là, le but étant de faire un jeu, on va dire, plutôt équilibré, c'est-à-dire que si jamais tu as beaucoup de chat et que tu te démerdes vachement bien en strat, tu peux peut-être essayer d'arriver à faire tout le donjon avec une seule équipe de héros, hein, t'en as pas besoin d'autres ou quoi. Et en fait, les autres héros sont juste là en fait pour booster ta guilde. Mais faut quand même être un peu de difficulté parce que en vrai, quand tu roules sur tout et tout le monde pendant tout le jeu, en fait, tu te fais chier. Donc, c'est pour ça que c'est pas cool. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'en gros, en attaque, on va pas mettre 8. D'accord? Parce que c'est les petits. Ok? Normalement, t'es censé gagner le combat, quoi qu'il arrive, en fait, pour les petits. C'est vraiment histoire d'affaiblir un peu les héros ou quoi que ce soit. Donc, du coup, on va pas mettre 8. Donc, on va appliquer la règle qu'on avait fait, par exemple, pour les PV et les attaques. Et au lieu de faire 8, on va mettre 7. Parce qu'en gros, on soustrait au maximum de PV, c'est-à-dire 17, 2, ce qui fait 15. Et on va arrondir, et non pas à 8, parce que sinon, en fait, ce serait arrondir au-dessus, et au final, cette règle ne servirait plus à rien, mais à 7. Donc, du coup, les PV et les attaques des monstres en temps normal, les petits du moins, doivent être égaux à ça. Donc, ça, c'est fait. Alors, pour les mini-boss. Alors, les mini-boss, il faut savoir une chose. C'est qu'ils sont designés pour être, comme je l'ai dit tout à l'heure, aussi puissants, on va dire, qu'un héros lambda. Parce qu'en fait, les petits, pourquoi ils ont autant de PV et autant d'attaques? C'est parce que eux, ils n'auront pas de capacité à eux. D'accord? Ils n'auront pas de super pouvoir, ils n'auront pas des boules de feu, des machins. Non, en fait, ça va être ça, leur stat. Ça va être leur attaque et leur point de vie, c'est tout. Or, les mini-boss, eux, on va pouvoir leur rajouter des capacités. D'accord? Pour. On va dire offrir un autre challenge, d'accord? Ces mini-boss là sont en fait, on les appelle les mini-boss, mais en vrai on pourrait juste les appeler des monstres un peu plus forts que les petits, quoi. Genre en gros un monstre qui vaut le coup, a worthy opponent comme dans le menu. Mais du coup leur PV doit être par contre supérieur à un héros lambda. Sinon en fait il va se faire défoncer tout de suite et donc du coup autant faire tous les monstres en fait avec autant de PV et d'attaque qu'un héros lambda. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre par exemple le 37 qui serait la base de tous les héros là. Et en fait, on va le rajouter et on va faire un chiffre rond. Parce que pourquoi s'emmerder avec des décimales et tout bordel?
Donc on va faire 50. D'accord? C'est un premier test, hein, parce que du coup, après, on va devoir voir par la suite si on ne doit pas booster les monstres, si on ne doit pas nerfer les héros. Voilà, c'est avant que la catastrophe arrive, on essaie de limiter un peu les futurs dégâts qui vont nous tomber sur la gueule. Donc on va faire ça. Déjà, les PV 50. Il faut qu'ils tapent fort. D'accord? Mais en même temps, dans ce jeu-là, on sait qu'il y aura des items ou des héros qui vont essayer de prévenir des dégâts, d'accord? Qui vont essayer de protéger les autres héros. Donc c'est pour ça que c'est très important qu'on garde ça en tête. Parce que oui, si on prend le héros qui a par exemple 17 de points de vie, si le monstre en a 20 en attaque, il va le défoncer. Mais sauf que c'est parce qu'en fait, on ne prend pas en compte que dans le jeu, il y a des héros qui sont là aussi pour prendre les dégâts à la place des autres. Ou des items qui vont justement prévenir ce genre de choses, ou des passifs, ou des capacités. Donc bref, on peut se permettre, en gros, de mettre 20, pas 30, 30 c'est trop, 20 en attaque. D'accord? Pour les boss, ce qui va se passer, les boss, il y a un truc plus simple à faire encore que les boss. Pour les boss, ça va être super simple. En gros, les PV et les attaques. Donc déjà, on sait que, bah bref, les boss vont être avec des capacités. Donc ça, par contre, on pourra les tailler sur mesure. Mais dans l'absolu, en théorie, on peut déjà essayer de théoriser un peu ce qu'on va mettre en PV et en attaque pour ces boss, ces derniers monstres à battre pour gagner la partie. Déjà, on peut faire une chose. On peut additionner, en fait, 34, enfin pas additionner du coup, multiplier, on peut multiplier 34 par 4, en gros ce serait une bonne idée, dans le sens où comme ça tu vois du coup il a quand même pas mal de PV, il n'est pas down au premier tour parce que c'est ça aussi qu'on veut éviter. Et c'est ce qui ferait en fait écho à la règle qu'on utilise là depuis ce nouveau template d'équilibrage qu'on fait, parce que mine de rien... Ça pourrait faire sens, quoi. Donc du coup, on va faire un truc plus simple. On va pas mettre 34 multiplié par 4 et tout ça. On va faire plus simple. On va directement passer à 120. Ok, en PV. L'attaque, on ne peut pas aller au-delà de 20. Pourquoi? Parce que les boss, en temps normal, vont pouvoir attaquer en fait plus souvent que les mini-boss ou les petits. Histoire d'offrir quand même un challenge. Donc on peut pas mettre plus de 20. Sinon en fait c'est juste t'y vas pour te faire wipe la team et c'est chiant. Donc ce qu'on va faire c'est que vu que lui il aura des capacités comme les mini-boss, mais lui il en aura plus peut-être. Ce qu'on va faire c'est que on va juste mettre 20 aussi pour le moment. Et on va voir après en faisant des tests si jamais c'est bien ça qu'on veut. Donc déjà on va partir là-dessus, ce sera peut-être plus simple dans un premier temps. Ok? D'ailleurs. Pour ceux qui sont nouveaux sur le live, donc j'imagine que XRIP, sur le côté tu vois qu'il y a encore cette espèce de comment on appelle ça, d'image là d'un gobelin. En fait, pour essayer d'avoir des concepts de personnages ou quoi que ce soit, ce qu'on fait, c'est que alors attends, excuse-moi. Tap, voilà. En fait, on utilise en fait un site qui s'appelle justement HeroForge. Et en fait, HeroForge, normalement, là-bas, c'est pour faire des figurines, tu vois, des figurines de JDR, de Warhammer, de, bref, de tout ça, tu vois. Donc, du coup, tu peux tout customiser, couleurs, machin et tout bordel. Et en fait, on utilise ça, en fait, pour avoir une idée du perso, ce qu'on veut faire, machin et tout. Donc, c'est ça, en fait, que tu vois depuis le début, en haut. Puis aussi, ça donne un peu de visuel, ce qui n'est pas non plus pour nous déplaire, hein, vu qu'on n'arrête pas de faire des espèces de va-et-vient sur des documents ou sur du coding, donc histoire d'avoir un truc un peu agréable à regarder. Enfin là c'est un mauvais exemple vu que c'est un gobelin. Enfin voilà. Du coup voilà, donc c'est là-dessus que moi je vais m'attaquer aujourd'hui. On va faire des monstres. Du coup on va faire un nouveau dossier cette fois-ci pour les équilibrer. Donc les petits en fait ça va être super simple, hein. Ça va être à base de gobelins, d'orques, de machin comme ça, tu vois, un truc un peu naze. Et après, on va commencer à être un petit peu plus, créatif sur les mini-boss et les boss de manière générale. Du coup, voilà. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Tac, tac, tac. Alors, document vierge.
Monster Pool. Petit. Alors du coup, je vais pouvoir reprendre ma proto maquette. Hop. Donc on va le faire. Tic-tic-tic-tic-tic-tic. 17 et 7. Voilà. Ça va être plus simple. Hop là. PV. 17. Attaque. 7. Voilà. Donc du coup, toi, ça se passe là, UU, pour ton code? Oui, je suis en train de préparer le code là. T'as eu. Là, tu fais quoi typiquement? Ce que je te disais, je suis en train de nettoyer et d'envoyer ça sur le serveur. D'accord. Hop. Hop, voilà. Donc, là pour les gobelins, ça va être un peu compliqué. Parce que, en fait, on veut qu'ils soient petits. On veut que ça soit vraiment les pires mobs à tomber dessus en termes de difficulté. Enfin, pire mode pour nous, maîtres du jeu. Meilleur mob pour les joueurs, parce que pour eux, ça va être facile. Donc, du coup, on ne peut pas les mettre à 17. D'accord? Parce qu'on veut que d'autres petits soient un peu plus sympas. Genre, imaginons, si on reprend la règle des verts, là, c'est-à-dire orc, gobelin et toutes ces affreusetés en vert, il faut pas qu'on leur donne autant de PV qu'un orc. C'est débile. Ça va faire mal aux fesses, quoi. Si jamais ils ont tous les mêmes PV et tout, c'est pas très diversifié, c'est pas varié, il n'y a pas vraiment de strat. En fait, c'est celui qui va taper le plus fort qui gagne, quoi. C'est pas. On s'en fiche, quoi. Donc. C'est là du coup qu'on revient en fait au problème, c'est que soit on fait petit mini boss boss, c'est-à-dire la règle des trois là pour les monstres, soit on passe en fait de façon plus le, on va dire plus terre à terre, que tu as les petits mobs qui sont en fait les mobs sans spécialité. Après tu as les spéciaux, donc c'est-à-dire avec les mini boss et tout, et aussi des petits en fait qui sont un peu plus balèzes. Mais le problème, c'est qu'en gros, ça va foutre un bordel monstrueux pour s'y retrouver après, d'accord? Parce que les mini-boss, on voudrait quand même, tu vois, rajouter cette difficulté-là. Donc ce qu'on va faire, c'est que les petits aussi auront des capacités. Certains. Par exemple, il y en a, ça va être, genre, si jamais ils tapent, bah, ils vont te faire saigner. D'autres, ça va être qu'ils vont être un peu plus... ils vont plus savoir de PV, par contre, en attaque, ils vont être caca. Mais par contre, ça va mettre du temps à les foutre sur la gueule, si jamais ils sont entourés d'autres mobs qui font, eux, par contre, du dégât. Donc voilà, c'est il y a un peu de tout ça. Donc il faut montrer que en fait avec la règle qu'on a fait sur les PV et sur les attaques, comme pour les héros, en fait c'est une espèce de barème. C'est là où en gros on peut se rendre compte à quel point un héros a beaucoup de est plutôt OP, pas très OP en termes de statistiques pures. Et comme ça du coup ça nous permet aussi de nous retrouver sur certaines choses. Là, ce qu'on va faire, c'est que, tout simplement, les gobelins vont pas avoir 17 points de vie, comme on a dit tout à l'heure. Donc, on va les laisser un peu. Et, hop, là, on va mettre 13. Parce qu'en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on a pris... Le but étant, en fait, de prendre sur l'héros pool. On va prendre celui qui a le plus de points d'attaque en normal. Et là, ce serait 14 de ceux qu'on a créés, par exemple. Donc du coup, les gobelins auront en point de vie 14. D'accord ?
et en attaque. Il faut toujours que l'attaque soit au moins de moitié de leur PV, donc on va mettre 7, on va rester à 7. Et là, par exemple, on va prendre l'autre exemple qui est les orques. Eux, par contre, on va leur donner les mêmes PV que le plus bas. On va lui rajouter un peu plus, histoire qu'ils soient différents des gobelins. Donc on va leur mettre 20 PV. Tac. Tac, tac, tac. Et on va leur mettre 10. Voilà. Donc pour l'instant, on va procéder à, par la règle un peu bêtasse, qui est tout simplement PV, leur attaque étant la moitié de leur PV pour le moment. Et puis après, on va rééquilibrer tout ça par derrière. Mais au moins, tu vois, ça nous donne au moins une vue d'ensemble sur comment on va procéder la chose. Tac. Donc ça, c'était pour les plus petits. Alors, les mini-boss. Hop là. On va reprendre la proto-maquette, ça va m'aider ça. Parce que j'aimerais vérifier un truc. Ouais, non, non, ça n'a rien à voir. Hein. En effet. Alors. En plus de ça, j'en ai fait en plus en off des mini-boss et tout. On va reprendre, tiens, on va prendre un truc tout bateau, tout caca. Ah mince, hop là. Tiens, prenons lui là, par exemple. Qui n'est autre qu'un géant réveillé. D'accord? Donc on l'a mis un peu dark, machin et tout, parce que c'est ce qu'on voulait. C'est au final de faire un peu cliché sur le début. Histoire de voir, en fait, c'était pendant la proto-maquette. Donc, c'est pour ça du coup qu'on avait fait très lambda en termes de design. On va faire un truc plus sympa, vu que j'ai dit que tout à l'heure, les mini-boss, ce serait un peu comme les héros, mais un peu plus fort quand même. Donc, on va prendre une autre idée que j'avais popée, que j'ai pas montré en live. Donc, c'est-à-dire un aventurier qui s'est changé en loup-garou. Donc, du coup, ce sera un des mini-boss. Ok? On va l'équilibrer. Perds pas de temps. Donc, les mini-boss, comme on a pu voir là tout à l'heure, ils ont à peu près, on les imagine avec 52 PV et 20 d'attaque. Grosso merdo. Hein, d'accord? Donc, du coup, il faut que les mini-boss gravitent, en fait, on va dire, autour de cette statistique-là. Gravitent. Hein, c'est-à-dire qu'il faut pas que ce soit marqué dans le marbre, genre ils ont tous 50 et attaque 20, sinon ça n'a aucun sens et ça va être chiant. Donc, aventurier. Paf. Toplette qui est rouge. Alors, du coup. Alors, par contre, pour l'exemple, là, bon, là, c'est un peu mal tombé, mais en gros, les PV, on va les laisser pareil. Donc, 50, attaque, pas 20, parce que sinon, c'est trop puissant. Sachant qu'en plus de ça, on va lui mettre une capacité. D'accord? D'attaque, 50 de PV. Alors, son passif, histoire qu'il soit bien relou, il va avoir le saignement. Chaque attaque qu'il fera, ce sera un saignement. Sachant qu'on avait vu dans les autres équilibrages que le saignement n'est pas accumulatif. Hein. Tu veux pas avoir genre 50 saignements sur ta gueule et du coup te prendre 50 PV à chaque fois que c'est à toi de jouer, quoi. Sinon, ça. Parce qu'on essaie de faire un jeu simple, hein.
Bon, c'est pas non plus Hello Kitty aux îles des aventures, mais quand même. Et ouais, faudrait quand même j'y joue à ce truc, parce que c'est devenu un mime, mais... Je sais pas ce que ça fait. De quoi Hello Kitty quoi? Et l'île aux aventures, là. C'est un vrai jeu? Oui. Ah bon? Tu vois, moi aussi, au début, moi, je pensais que c'était un bête... Tu Une vois, mauvaise c'est... blague, quoi. Ouais, mais en fait, non. Hop. Donc, on a fait notre premier mini-boss. Il est chiant, ce mini-boss. Mais c'est bien. C'est ce qu'on veut. Donc, faire un autre. Après, on peut en faire un, là, comme ça. Un nouveau. Parce que c'est vrai que là, en fait, c'est vrai que c'est moins drôle, du coup, de venir avec le concept, de regarder vite fait l'image, et puis... peu de chiant. Bon, c'est marrant, quoi. Allez, quoi, on se marre. Bah tiens, pour ceux qui ont joué... Bah, vu qu'on parlait du JDR tout à l'heure, Ulor, on va faire l'une des créatures qui a marqué Louis la dernière fois qu'on y avait joué. Le Huntmonger, tiens. C'est cool celui-là, j'aime bien moi ce mot. Hop. Huntmonger, voilà. Tac. Alors lui par contre, il faut qu'il soit colossal. Hein. Parce que à côté d'un loup-garou, si jamais il a les mêmes PV ou les mêmes machins, vu l'histoire, ce serait un peu... Cacaprout in the night. Ce serait pas cool. On risque de pas s'amuser sinon, à le combattre. Entre parenthèses, je m'amuserai pas en voyant se battre. Donc il faut qu'il soit un peu chiant en fait. Mais lui par contre, on va lui mettre une force brute. D'accord? Quoique, attends, ce serait plus intéressant qu'il attaque deux fois dans un tour complet, c'est-à-dire que vu que c'est du tour par tour, du coup tu as deux aventuriers qui tapent, et en fait il tape entre le 2 et le 3, et puis après à la fin à la 4. Ça peut être sympa. Alors, tac. On va appeler ça le bras multiple. Facile. Tac tac. Entendu. C'était qui? C'était Pixel ou Sega? Okay. Comme de par hasard. Faire moins chiant que le loup-garou en termes de dégâts purs, sinon en fait ça risque d'être assez incroyablement chiant. Tac tic tac tac tac, comme ça on peut faire ça comme ça. Comme ça c'est bien. Après, encore une fois, hein, ça changera au fur et à mesure qu'on verra les erreurs. On va voir d'autres ce qu'il y avait. Quand j'ai fait la figurine d'orc, là, le concept d'orc, en fait, ce que je voulais et tout ça, je l'ai appelé le fichier Orc del Cazzo. Ça m'avait tellement saoulé, j'aime tellement pas les orcs en termes général. J'ai pas pu m'empêcher de l'insulter même en le créant, tu vois. Ouais, j'avais fait aussi des nécrotrackers, ok, d'accord. Tiens, on va reprendre celui qu'on avait fait la dernière fois. Le Minotaure, Albinos. Alors. Non, ça s'écrit pas comme ça, Minotaure. Alors oui, je m'excuse, hein. Mais Attends, tac, 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 tac.
s'écrit comment déjà le moteur? Ouais, c'est bien ça. Ah d'accord, ok, c'est comme ça. Ouais, non, mais je m'excuse, hein, je suis dyslexique, donc j'ai besoin de ce genre de trucs. Et du coup, j'oublie des choses des fois, comment on écrit. Ça va pas. Tac, tac. Alors, le Minotaure. Tac, 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 tac. PV. Attaque. Ça se passe toujours bien, alors. Ouais, c'est bon, j'ai mis à jour le serveur. Du Nice. coup, je regarde comment on peut faire les inputs. Tac. J'avais mis combien déjà pour le... Tiens, on va le faire plus con. Ce sera juste un petit, sans spell, sans rien du tout. Juste, il aura des stats un peu chiantes, c'est tout. Faut pas déconner. Si on fait que des trucs aspect, on risque de plus. En fait, on risque même juste de faire que des trucs aspect et au final, les petits sont oubliables as fuck. Hop! Ah tiens, on va faire un nouveau. Un nouveau truc. Alors. D'ailleurs, pareil, hein, le chat, si jamais vous préférez voir une partie plus qu'une autre, faut juste le dire et on change. Là, par exemple, là, il y a le code en avant-première, mais. Si vous voulez swap, vous le dites. Alors, voyons voir comment je vais faire. Ce que je vais faire. Comme petit monstre, tiens, je vais faire un petit. Partons du principe. J'avais fait. Ah oui, non, j'avais déjà fait une sirène réanimée. Ah bah tiens, on va faire un cultiste! Comme ça nous rappellera Ascension. On avait fait la dernière fois. On va prendre un truc tout con. Paf! Dommage qu'on puisse pas leur mettre des cicatrices, tiens, t'sais. Sans te coller des fois à certains trucs. Pas du tout de cicatrices? Non. Nope. Même pas genre dans les tatous ou des trucs comme ça. Non, bah déjà, y a pas de tatou. Enfin, si, y a des tatous, mais il faut uploader des images, machin et tout. Bref, c'est chiant. Pour un truc qu'on voit de loin, en vrai. Tout ça, vraiment con. Ah, c'est marrant. Ça rigole. C'est pour faire bien cultiste.
prochain coup. Si on lui donnait une gueule quand même à ce truc. Parce que les cultis, généralement, ils sont toujours super mal habillés. Essayons de lui donner un peu de fashion. Mais oui, vu qu'on a un monstre qui a ce top là, comme ça, du coup, ça pourrait faire un peu de sympa, ça. Alors, c'est vrai qu'il y avait des kits, à chaque fois je l'oublie hein, qu'ils ont des kits les mecs. Ouais non, on perd un peu le côté cultiste, je crois. Incroyable ça. Avec ça, hop. Alors en bottine. J'avais oublié qu'il y avait aussi les plâtres. Il pense à des trucs, je te jure. J'avoue, les plâtres, c'est pas le premier truc auquel je repense. Ouais, il y a des trucs, franchement. Tu vois, par exemple, les cicatrices ou les conneries comme ça, tu vois. Non, par contre, on a des plâtres, les gars. Ok.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre là? Ah d'accord, ok, ça ressemble à ça, très bien. Mais il rajoute encore des trucs nouveaux, c'est un truc de ouf. Truc avant, il n'y avait pas. Tous les jours, il y a des trucs nouveaux, j'ai l'impression. C'est plutôt de type stylé, dis donc, tout ça. Par contre, les effets. Les spells, j'aimerais bien d'autres trucs, mais bon. Rajoute je sais pas combien de types de drapeaux, mec, c'est impressionnant à tenir en main. C'est vrai qu'en plus de ça, ils ont rajouté les spells et fixes en plus. Hop là. Hop, la colo maintenant. Tiens la décale. Putain, ils ont aussi rajouté des décales. Ouais, des trucs à mettre sur le corps et tout. Tu sais, genre des zones préfaites, si tu veux.
après tu mets la couleur que tu veux quoi. Ouais, mais bon, après ça Des reste du... peintures. Ouais, c'est des peinturettes quoi. Hop. Oups. Et hop, un petit effet. Salut Seni, comment tu vas? Bien ou bien? Ninja. Quoi de neuf? Voilà.
Du coup, moi de mon côté, j'essaie de gérer les inputs. C'est nouveau. On va en avoir besoin. Quant à moi, je suis en train de faire les mobs, cette fois-ci. On fait pas mal de concepts, maintenant on fera peut-être quoi. On s'avance un peu, dis donc, hein, oh là là. Temps histoire de faire un petit casse-couille la netiac. Template d'équilibrage. Pouf. Cultiste. Donc on avait fait quoi déjà pour les orques et les gobelins? 14 et 20. Du coup il faut qu'on le mette en médian. On va le mettre en sight. Voilà, PV 17. Paf. Tac 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 tac. Attaque. À 8. Voilà, on va reprendre le même système d'équilibrage que pour les héros. Attends, c'est ce qu'on veut. Tac tac tac, cultiste, c'est bon. C'est bon. Allez, save. Cultiste. Du coup. On ferait pas l'anti-latio. Non, on la garde pour plus tard. Elle. Putain, mais je suis trop con. En fait, ça pourrait être un boss. Hein. Pourquoi me casser les fesses comme ça alors que ça pourrait être très bien comme boss? Du coup, mini-boss. On continue, on fait un autre mini-boss. Dans l'animé, ça va être un truc lambda. Oh mince. Hop. Allez, au revoir, monsieur Pub. Pas vrai, ça. Non, mais les bots, je sais pas ce qu'ils ont. C'est des bots, quoi. Non, mais à chaque fois, mec, je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais là, sur tous les streams où je vais, il y a toujours ces bots qui pop à chaque fois. Et puis chez nous, bon, c'est tous les jours limite que ça vient, mais voilà quoi. Pas cool. Enfin, c'est pas sympa. On respire à la fin. Ah ouais, à un moment donné, quoi, merde. Allez, on va faire un nouveau. On est des followers à la place. Ah, mince. Donnez les followers. Alors, Species. C'était un bot qui donnait encore soit d'autres... des viewers. Enfin bref, il augmentait tes stats, quoi. Genre des followers en plus ou... Généralement, c'est ça, en fait. C'est des followers. En gros, c'est Tricks. To Twitch.
pour faire genre en fait t'es devenu famous. Et donc du coup Twitch est là en mode genre ah ouais quand même stylé. On va le mettre en front page. Voilà. Et sauf que quand ils l'apprennent, bah du coup t'es niqué, c'est toi qui es niqué en fait. C'est pas cool. Donc c'est non. C'est mort. Si je restais sur... Yes, allez. Je vais continuer dans le thème que j'avais fait. Histoire qu'on s'y retrouve. Hop là. Hop là, hop là. On est resté dans le thème. C'est pas pour nous déplaire en vrai. On reste dans un thème de cultiste, donc on fait tout en 7, là on a fait le cultiste, on a aussi un boss qui a déjà été fait, qu'on va modifier après, pour que ça colle un peu plus au thème. C'est pour ça que du coup ils auront les mêmes hauts, pour rappeler un peu qu'ils servent un peu le même culte. Hop, 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 hop. Putain, il est où le truc là? C'était là pourtant. Monsieur, où êtes-vous? C'était pas ça. Est-ce que ça n'a pas enlevé à cause de ça? Oh là. Pourquoi c'était? C'était en fantaisie. C'était à cause de C. Tac, tac, tac. Pim pim. Ah, c'est dommage, je voulais donner un ceste. Attends, ce ceste là, ça peut être sympa. Hop là. Paint. Après du coup ça se confond avec la peau. Tiens d'ailleurs la peau est-ce qu'on la capte comme ça? Non, on va pas la garder comme ça en fait, c'est chiant. Thank you.
Est-ce qu'on a quoi en reptorium? Ça c'est bien ça, reptorium. Mince! Non, 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 ce n'est point une blackface. Voilà, merci. Je te jure, ce truc-là, il s'est... J'essaye d'esquiver là, les problèmes. C'est parti en sucette direct, quoi. Hein? C'est parti en sucette direct. Ouais, non, non, j'essaye de. Voilà, de qu'on se fasse pas défoncer, mais. C'est compliqué, hein? Faire gaffe avec ce truc parce que des fois en fait tu essaies de toucher comment on appelle ça, la sensibilité des gens. Non, non, la bouche, non, j'allais dire la bouche du personnage, c'est pour la colorer d'une certaine façon, et en fait tu cliques juste un mini pixel à côté, blackface, c'est chiant. Alors, voilà. C'est trop décoré ce truc, j'aime pas. J'ai une musique des Sims, ce truc, ce qui passe là en ce moment. Ça me perturbe. Ouais. Ça me perturbe. Ça va faire trop longtemps que j'ai pas joué aux Sims. Ça, non. Non mais il y a eu un moment donné dans la chanson que ça me fait penser, à, ça me faisait penser. Maintenant plus du tout, mais là il y a deux secondes. J'étais là en mode genre, bah, attends, j'ai les Sims. C'est en mode créatif, tu sais. J'y ai joué, et alors. Oh bah, t'as le droit, hein. C'est vrai qu'il n'y avait pas ça qui est coloré. Enfer. De quoi? Non, rien, il y avait un truc qui était pas coloré.
Alors, save. Comment on appelle ça? Putain. C'est... Cutiste... Comment ça pourrait s'appeler? Merde. Putain, j'ai le mot là sur le bout de la langue. Qu'est-ce que tu Malheureusement. cherches? Oh, si c'est d'accord, ok, il fait pas avec l'accent. Bon, c'est pas grave. J'en fous. Cultiste honoré. Alors, 4. Hop. Du coup, on a... Merde, c'était quoi déjà? Ah oui. Tac. Tac, tac. Qu'est-ce que ça marche? Ça marche, tout va bien pour toi. Je me suis fait sur un truc con. Ceci n'est pas sympa. Ce n'est pas très sympa, dis donc. Tac, voilà. Hop, une cultiste honorée, une. Non, c'est pas ça que je voulais. Salut. Tac, tac. Et allez, on va en faire un autre. C'est le cultiste. Du coup. Tiens, on a qu'à faire un truc un peu plus sympa cette fois. Species. Fallait qu'on fasse un normal cette fois. J'espère qu'on reste dans le team. On va faire un autre cultiste, mais bon, en vrai, c'est chiant. Faut qu'on apporte un peu plus de diversité. Oh tiens, on a qu'à faire un Wakasi. T'en avais pas déjà fait un récemment? Non, mais en monstre. Ah, en monstre, ah oui, tu fais monstre Ah récemment. ouais. Eh oui, monseigneur. Qui a encore ses ailes. Vois-tu ce que je veux dire? Classique. Du coup, il est pas au courant que la cité est tombée. Ça me rappelle un JDR, ça. Bah, c'est basé sur le JDR. Non, bon. On avait eu exactement ce mob-là, quoi. Enfin... Ah mais oui, c'était avec toi en plus, putain, je suis con. Ouais. Ah oui, exact. Puis, je sais plus qui a raconté de la merde, qui nous a foutu en danger. Classique. Je pense que tu sais très bien qui c'est en plus. Oui. Parce que lui, il était pas au courant, et puis du coup, après, il vous a pris pour des déchus, qu'il y avait un problème, je sais pas quoi. Du coup, il était tout énervé. Tout défoncé. Ah ouais, non, il était pas content. Comment ça, on est plus... Comment ça, on en est plus digne?
Reviens là, toi! Oh, il était pas content! Ils vont faire des remasters de Final Fantasy 1, 2 et 3. Ah bon? Ils savent que ça va se vendre en fait. Bon. Je pense que c'est parce qu'ils savent que ça va se vendre en fait. Parce que sinon, je vois pas trop l'intérêt, moi, je te demanderais de certains trucs comme ça. Par quoi que. Surtout les premiers, en vrai. C'est pas que le fait d'être moche, ça a un charme, mais un peu quand même, quoi. Je sais pas. Je sais pas moi si je le ferais, tu vois. De reprendre un truc qui est assez ancien comme ça et de. De remaster les anciens ou d'y Ouais, jouer? de remaster les anciens. Non, d'y jouer, je peux comprendre. Complètement, tu vois. Pas de problème là-dessus. Non, c'est juste de le refaire. Je sais pas. Parce qu'il y a aussi le charme du fait que, tu sais, avec les techniques d'avant et tout ça, tu vois comment c'était. Je pense que du coup ce sera vraiment fait le remaster bête et méchant de bah on comment dire on adoucit les textures quoi. Ah oui, ça, d'accord. Attends, tu parles Puis bien du quoi? Du 1, 2 et 3, c'est ça? ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, d'accord, ok. Qui était à full 2D pixel Pourquoi le refaire? Je ne vois pas l'intérêt, monsieur. Bah, j'aimerais bien voir des screenshots de original remaster parce que ouais je vois pas trop l'intérêt non plus en fait. Je suis à peu près sûr que n'importe quel émulateur peut aussi bien faire ton remaster beaucoup plus vite sans trop de difficultés quoi. À un moindre coût. Parce que c'est quand même 12 balles le jeu, hein, Ah le bah voilà. remaster. Là on Les mecs. parle, là on dit les termes. Ah, c'est des fraudes. Hein. Après avoir ce qu'ils vont en faire. Hein. Ouais, enfin, je sais pas si ce sera vraiment intéressant que, comme je disais, en vrai, les émulateurs, maintenant, ils font des trucs pas trop dégueulasses. Je pense que l'idée derrière, c'est surtout de se faire de la thune à moindre coût, quoi. Là où tu sais qu'il y en aura quand même, Ouais. quoi qu'il arrive, qui vont acheter. It is le dommage pour l'argent, I guess. Ah oui. It is what it is, comme dirait le mime.
suis 13e craft en game. Oui. J'ai dû me vider dans mon numérotage. Peut-être parce qu'on n'a pas mis. Je vais t'arrêter en 11, mais je suis une grove. Une grove. Sinon, du coup, bah, j'ai joué à The Last Spell. Alors, c'était bien. En vrai, pour un early access, je m'amuse bien. Hein. J'ai même pas compris ce que c'était comme jeu en fait. En fait, c'est une espèce de tower defense roguelike. Où en gros, ton but c'est de protéger en fait le centre là, de ta petite ville là. Ouais, que... en fait, j'avais pas compris le. Ah putain, je me suis fait défoncer les oreilles par Steam. Parce qu'en fait, j'avais pas compris genre ce qui était genre le roguelike. Et je sais pas, t'es genre dans une ville, t'as l'impression que tu peux améliorer tes héros et tout ça, mais en même temps, bah, en fait, c'est... Non, parce que plus tu avances dans le jeu et plus tu gagnes des points, on va dire, pour débloquer des trucs, en fait. En gros, t'as des défis, genre si jamais tu dépasses telle stat, je sais pas quoi, tu sais, genre, imaginons, genre, faire atteindre un héros à 300 PV, c'est, par exemple, bah du coup, ça va t'offrir... Bah vu que c'était un défi comme ça, tu vois, numéroté, bah du coup, ça va t'offrir le set pour tes prochaines runs. De guerrier super plus plus, tu vois, enfin plus plus non, parce qu'en fait t'as besoin de ce genre d'amélioration parce que sinon tu finis jamais le jeu, en fait c'est pour ça que c'est roguelike. Parce que tu as par coup, exemple. C'est un roguelite, au final. Parce que si tu veux, là, bah, j'ai pas encore réussi à battre le jeu, hein, et pourtant j'en ai débloqué les trucs. Ouais, mais c'est normal en fait, c'est dans l'équilibrage, je pense. Ouais. Et encore, hein, j'espère qu'ils vont s'améliorer. Enfin, j'espère vraiment qu'ils sont vachement bien améliorés en équilibrage. Parce que Cocorico, hein, le jeu, c'est les Français qui l'ont fait. Mais en gros, ils ont fait aussi Dead in Vinland. Tu vois. Que j'avais copieusement détesté. Pas que le concept était pas cool, hein. Mais. Disons que l'équilibrage. En gros, le jeu te frustrait pour rien. Genre, il a décidé que, en gros, tu n'allais pas passer un bon moment, en fait, avec lui. Mais il était joli. Même, enfin, si, oui. Moi, je trouve qu'il a un style, quand même. En jeu, moins. Pas mal, quoi. Non, en jeu, moins, mec, je t'avouerai. En tout cas, les screens. Ouais, je t'avouerai que... J'ai pas joué, mais... Non, moi, j'y ai joué, je l'ai, en plus, c'est ça qui m'énerve. C'est que je l'ai. Et j'ai pas du tout passé un bon moment. Ah, c'était le placement pendant les combats que je comprenais pas. Ah. Ouais, non mais c'est aussi les dialogues, putain, ça me saoulait que l'autre se ramène, qui me dit texto à chaque fois de l'une de mes persos, pute, salope. En gros, bref, il arrêtait pas de m'insulter. Et c'était toujours pute. Ah, j'étais là en mode, merde, c'est bon, ça va, j'ai compris, quoi, c'est bon. En gros, l'antagoniste passait son temps à insulter les meufs. Alors, en fait, au début, je pourrais comprendre, mais si tu veux, déjà... Le fait qu'à chacune de ses phrases, il finisse limite par pute, j'ai l'impression, tu sais, d'être devant le... Pas le roi Enoch, là, je sais plus comment il s'appelle, l'autre qui arrête pas de dire ça. Enfin bref. Ça m'a saoulé, tu vois, j'étais là en mode genre, putain, ta gueule, quoi. Genre, c'est bon, j'ai compris. Puis le jeu arrêtait pas de venir, là, te piquer toutes tes ressources. Déjà que c'était monstrueusement chiant à essayer de survivre, alors en plus de ça, il piquait tout. Bref, c'était... Il vole tes ressources, le jeu. Ouais, parce qu'en gros, c'est cet antagoniste-là, il vient, genre, je crois, tous les 4 jours, et en fait, il te prend des trucs. Il te prend de tes ressources, en fait. Et si jamais t'as pas de quoi payer, en fait, il amoche tellement ton perso que du coup, il est inutilisable pendant la prochaine semaine, comme ça, où tu vas essayer de récolter les ressources parce que le gars veut truc, et en plus, ça arrête pas d'augmenter. Sauf que vu qu'il te pique tes ressources, bah du coup, tu n'arrives pas à suivre, en fait, c'est la cadence. C'est quoi le but du jeu ? Hein ? Mais c'est quoi le but du jeu ? Te faire victimiser par un mec. Non mais c'est ça, si tu te fais victimiser, et en fait je pense qu'en gros le but c'est de survivre et de se barrer en fait. Tout début de ce moment. Ouais, enfin bon, bref. Et je te jure, et genre moi ça m'a saoulé. Tu sais que j'étais encore avec... Bah oui, en plus de ça, j'étais encore avec mon ex à ce moment-là, et je joue devant elle. Parce que tu sais, je jouais à Pokémon ou quoi à ce moment-là, et donc du coup, moi, je joue à Vinland. Bon, déjà, quand t'as une suédoise derrière qui te dit « Mais pourquoi il dit ça comme ça ? Pourquoi il mélange deux, trois langues nordiques pour dire un truc ?» Tu vois, déjà, t'es là en mode « Oh putain, merde !»
Même moi, tu sais, enfin voilà, bon, après, moi, c'est à cause de mes études que je l'avais capté. Mais alors, elle, derrière, tu vois, qui était pas historienne ou quoi, qui arrive à te dire ça pour certains mots du folklore et tout, j'étais là en mode, ah non, Lucas, c'est pas sérieux. Puis ouais, non, ça arrêtait pas. En gros, le jeu te victimisait, bah après, je l'ai arrêté, mais je l'ai arrêté avec de la rage, hein. Généralement, ça m'arrive jamais, tu vois, de rager à ce point sur un jeu. Généralement, je dis, bon, ok, c'est bon, ça m'a saoulé, j'arrête. Mais là, j'étais vraiment en mode genre, saloperie, je te jouerai plus jamais, t'es trop une grosse merde, j'ai perdu de la thune, tu vois, j'en étais là, T'avais quoi. le boîtier, tu le jetais par la fenêtre, quoi. C'était en Heureusement, les dématérialisé. jeux sont des maths maintenant. Du coup, c'était l'un des rares jeux que j'ai en dématérialisé. Du coup, j'ai même pas eu le plaisir de le faire, du coup, ça m'a encore plus saoulé. Putain. Mais par contre, de l'aspect, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai passé un. Attends, je sais plus à combien d'heures je suis. Faudrait que je regarde. Attends, je vais te dire ça tout de suite. Tiens, ça me perturbe aussi. Alors. Ah, j'ai déjà 42 heures de jeu dessus. Ouais. Ça. Il est sorti il y a pas longtemps en plus. Et je l'aime beaucoup. Genre, je m'amuse. Mais là, si tu veux, là, c'est dit de début. Tu vois que tu vas pas pouvoir vaincre le jeu tout de suite. Tu vois, Ouais, nanana. c'est connu. C'est bon, tu vois. Et encore, il est plutôt fair pour certains trucs. Après, moi, je trouve que ce studio, il a un problème, c'est qu'il. Il. Il est français. De quoi? Il est français. Non, non. Grand problème. Non, en fait, moi, je trouve qu'il complique les choses plus que de raison, en fait. Tes persos ont des stats, mon gars, mais je ne vois pas l'intérêt de certaines stats, tu vois. Ils ont un million de stats. C'est. Moi, à chaque fois, je suis là en mode genre, mais pourquoi en fait? Enfin, tu vois, tu peux tout résoudre. En plus, tu sais, il y a des stats, franchement, je vois pas l'intérêt de les avoir, tu vois. Du coup, pour l'augmenter. Enfin, bref. En tout cas, ils sont ouverts à la suggestion. Hein, du coup, tu peux envoyer. Pourquoi tu leur as envoyé un message, dis donc, vous avez beaucoup trop de stats, on comprend plus rien. Non, parce qu'en gros, si tu veux, j'essaye de voir vraiment ce que ça change avant d'écrire une remarque. Sinon, ce sera juste un gars qui est saoulé parce qu'il a pas compris, tu vois. Donc, je voudrais être sûr, tu vois, que c'est pas moi. Et que c'est bien qu'il y a. Tu vois qu'ils ont trop complexifié un truc qu'ils n'avaient pas besoin en fait. Mais bon, voilà, moi j'aime bien, tu vois. Comme quoi, je suis pas rancunier envers certaines boîtes de jeux. Hein. Parce que franchement, Vinland, mec, j'ai jamais autant ragé sur un jeu qu'avec lui. Hein. C'est un truc de ouf. Mais pourtant, il est pas mal noté, hein. Et je l'ai détesté, mec, mais En vraiment. Hein. review, tout temps confondu, il est à 80%. Ouais, super. Après, en récent, il est à mixte 69%. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais. Y a des gens qui ragent sur les probabilités, apparemment. Ouais, alors ça par contre, putain, ouais. Oh, je m'en souvenais plus, mais ça aussi, putain, que ça m'avait saoulé. Oh, j'en pouvais plus! C'est génial parce que franchement, je regarde les screens et je comprends pas le jeu. Non mais mec, dis-toi que j'ai eu, je crois, 1 heure avec le jeu en main, tu sais, où genre, tu vois, le jeu me laissait jouer, tu vois, c'est bon, il m'avait fait assez d'exposition pour machin. Et je regardais mon ex à ce moment-là, je m'en souviens très bien, et je lui dis, je comprends absolument pas ce que je suis en train de faire. Mais c'était vraiment horrible. Mais vraiment, hein, je captais R. Bon allez, j'arrête de chier sur le jeu. En tout cas, de l'aspect, c'est Ouais. bien. Non, vraiment, hein, je suis très satisfait de cet achat. Il y a un jeu qui s'appelle Dead in Bermuda. Dead in Pourtant, c'est Bermuda. la même boîte. C'est la même boîte. Ils en font des jeux quand même, hein. Ouais, c'est la franchise Dead In. Apparemment, il y a plusieurs jeux comme ça. Enfin, il y en a au moins deux, du coup. Pareil, c'est un genre de survival. Ils aiment bien les survival, hein, c'est un truc de ouf. Ah, ça a une durée de vie assez longue en vrai, un survival. C'est à moindre coût en fait, parce que
juste à gérer genre les dangers et tout ça, enfin la probabilité de rencontrer un danger. Mais... Ouais. 73%. Et un peu moins bien que Dead in Vinland. Putain, j'imagine même pas l'horreur que ça doit être là. Ah, par contre, on peut reconnaître une chose sympa, c'est qu'ils te laissent des démos. Donc sur chacun des jeux, tu peux télécharger une démo et. Et tester. Ah, même sur de la spell ? Je sais pas pour The Spell, je parce qu'il est pas encore. Enfin, il est pas fini, fini en fait, ils veulent rajouter des trucs. Genre ouais, du coup, sur The Spell, peut-être pas, mais. Parce qu'en fait, ils veulent rajouter. Ah, tu peux que l'acheter. Achète-le. Là, ils vendent déjà la soundtrack. Ouais, elle est stylée. Mais bon, tu l'as sur Spotify, ah, quoi. Tu m'as dit qu'elle était stylée. Ouais, ouais, moi je l'aime beaucoup. Bah d'ailleurs, on a commencé le stream avec ça. Hein. Ah, mais c'est pas libre de droit, du coup. Alors, c'est une on va se faire striker. C'est une musique de The. Non, en vrai, elle est cool. Ouais, mais t'as le droit de streamer la musique du jeu que si tu streames le jeu, non? Ah, tiens, c'est vrai que j'ai jamais. Sinon, tu t'appropries en fait la musique du jeu alors que c'est pas la tienne. C'est pour ça que tu dois dire quel jeu tu streames en fait. D'accord. Bon, je savais pas. Enfin, je ne sais pas, hein, mais je crois qu'il y a un bail un peu comme ça. Enfin, de toute façon, les droits, c'est compliqué. Déjà, pour trouver des musiques de droits, c'est putain de compliqué. Ouais, ouais, laisse tomber. Bon, je suis face à un gros dilemme. Pourquoi ? Je sais pas comment je gère les inputs dans lui. Ah. Et puis GetGat va pas pouvoir t'aider. Actuellement, il n'y a pas du tout. Ouais, il n'y a pas du tout dans le jeu, donc c'est normal qu'il n'y en ait pas dans lui. Maintenant, comment faire en sorte que lui puisse recevoir des informations d'input? Est-ce que lui a les inputs directement? Je suis mitigé. À ce point. Trop mélanger contrôle avec lui. Alors, tu vas me taper, mais je me souviens plus c'est quoi déjà lui. User interface. Voilà, merci. Non, c'est tout ce qui est affiché à l'écran, quoi. En fait, t'as un paradigme assez connu en prog qui est le model view controller. En gros, t'es censé découper tes objets de manière à ce que ils soient bien séparés entre le modèle qui est censé être du coup la core logique de l'objet. Alors c'est elle qui va être affectée par les comportements du programme, machin et tout ça. Ouais. La view, ça doit être uniquement en fait ce qui est représenté. Donc elle récupère le modèle, enfin récupère le modèle, ou le modèle l'update, ou elle récupère le modèle pour afficher les informations. Okay. Mais elle fait que ça. Elle n'a aucune logique derrière, elle n'a aucune manipulation dessus. Et le contrôleur, c'est justement ce qui est censé gérer les inputs et modifier le modèle. Du coup. D'accord. Du coup, si tu mixes ça ensemble, c'est vite le bordel. Parce que du coup, ça veut dire que ton contrôleur, il risquerait en fait de manipuler la view au lieu de manipuler le modèle. Ce qui fait que du coup, en fait, t'as pas les bonnes données sur lesquelles tu travailles. Mm-hmm. Tout un merdier qui fait que c'est dangereux de faire ça. Mm.
Je vois. Effectivement, il faudrait qu'on fasse un truc comme ça. Mais... Ah, typiquement, sur un menu, c'est un peu ridicule parce qu'il n'y a pas vraiment de modèle. Il n'y a pas de logique en fait. Enfin, un menu, le modèle du menu, c'est genre bah, j'appuie là, ça fait ça. Je sais pas si ça a vraiment du sens. Ouais, ça c'est. Ah tiens, je me suis fait moule. Tac 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 tac. Château de Bonfons là, du truc l'eau.
aucun sens comment il fait pour garder son truc. Cette pose incroyable là. De quoi? Cette pose incroyable là. Ouais. Je suis grave en train de bloquer, moi je pense que je vais m'arrêter là. Tu vas t'arrêter là, toi? Ouais. Bon, tu sais, en même temps, il est bientôt 2 heures de live, hein? Ouais, et puis je bloque complètement sur le truc, faut que j'y réfléchisse un peu. Ah ouais, tu peux nous parler un peu de ce qui te bloque? Bah je te dis, c'est pour les inputs, je sais pas comment les intégrer dans l'UI. Sans tout niquer en fait, au niveau du menu. Il faudra un autre truc qui gère les inputs à côté en fait. Je vois pas comment il pourrait le gérer sans être intrusif avec l'interface. T'as déjà eu à régler ce genre de problème-là, hein? C'est rarement. Ça va arriver, mais. Sur des systèmes plus complexes, déjà plus avancés en fait. Du coup, t'as beaucoup moins le choix. Puis sur une solution ou l'autre, là, t'as beaucoup trop de solutions différentes. D'accord. Je pensais pas que ça pouvait être aussi compliqué au final. Ouais, lui, c'est super compliqué en vrai. Ah ouais? Ça peut vite devenir la merde en fait, c'est ça le problème. Si tu le fais mal, ça part en sucette assez vite. C'est ça qui est compliqué avec ce domaine. D'accord. Quoi, on aura appris un truc. Là, typiquement, les inputs, ouais, c'est important de bien les faire parce que si tu les fais mal, une fois que c'est ancré, t'as du mal à revenir en arrière. C'est super compliqué, ça coûte énormément de temps. Puis t'as souvent de la perte en passage ou t'as des moments où l'interface marche plus comme elle marchait ou tout ça. Hop, un petit waka non déchu. Bon, du coup, tu veux qu'on arrête là? Moi, je vais m'arrêter, hein, je pense. Très bien. Du coup, comme ça va pouvoir me permettre de. Parce que, du coup, parce que demain, on en refait, hein, c'est ça? Ouais. Bah, justement, je préfère qu'on s'arrête. Je m'arrête aussi là, parce que du coup, demain, comme ça, je vais pouvoir faire quelques cartes event comme exemple. Et du coup, bah, pour moi aussi, demain, du coup, j'aurai des trucs à montrer ou quoi. On peut faire ça comme ça. Bah ouais, très bien. Hein. Bon bah très bien. Très bien, très bien. Bon bah c'était un petit. C'est un petit Craft and Game. Bah, comme la semaine dernière, en vrai. Hein. Ouais. Oh, il est un peu plus court que la semaine dernière, hein, je t'avouerai. Enfin bon. Bon, je sais pas, hein, 18h-20h, c'est ce qu'on faisait la semaine dernière. Hein. Non mais moi je parle vraiment en termes de durée. Normalement on fait toujours 2 heures et quelques. Quoi, une dizaine, une quinzaine Ah ouais. de minutes, là ça va faire moins de 2 heures, tu vois, typiquement. Ah, Du c'est coup, je pas vais plus pouvoir mal. dîner à 1 heure décente. Enfin, bref. Bon, bah, du coup, on se voit demain. Moi, je ferai des events. Parce que, du coup, on avait fait. Parce que moi, j'ai fait quelques mobs à thème, des cultistes. Et du coup, bah, on va faire un event à cultistes. Ce sera le premier event qu'on va faire. Cultiste. Ouais, en gros attaque de cultiste. Puis après en fait je vais montrer différents enfin, trucs d'event. Genre des events on va dire négatifs et des events positifs. Tu vois. Et comme ça du coup on verra concrètement sur quoi on peut tomber en pleine partie.
Ça peut être Moiro. Rollo. Pas très bien. Bah du coup, bah on se dit à demain. Même heure. Et puis voilà. Des bisous, Séni. Yep. Bonne soirée. Bonne soirée à tous et à toutes. Merci Tchou-tchous. d'être passé. Ciao. Ciao, ciao.